On a une van, une caméra vidéo. Salut, Vadé! Hey, man, on s'en va à New York. Oh, New York! United States! Make it! Tell America! Il est minuit et 20, on vient d'arriver à New York dans un appart. Ce qui est très drôle, c'est que je pense que la madame est convaincue qu'on est gay. T'sais, c'est sûr que deux gars qui arrivent dans un appart. Hé, moi, je me poserai pas de questions, que c'est pas mon collègue gay. Premier matin à New York, belle vue de l'Empire State Building. On se réveille, un petit café, puis c'est parti. Here we are in New York City. Again? Here we are. Come on! La grosse vie sale. Nice, cold corona. On a trouvé cet endroit-là, pas loin du Brooklyn Bridge, où on a commencé à chiller. Puis spontanément, à un certain moment, j'ai pensé une idée musicale, j'ai sorti ma guitare, puis j'ai commencé à jammer, puis là, Antoine a sorti, lui, son banjo. Et on avait une base pour commencer. Après l'accord évident, tu fasses un mineur. Avant même qu'on ait le temps de finir notre deuxième bière, on avait déjà une run d'accord au complet, puis on était bien parti. Puis c'est ça qui est magique de la création, c'est que ça part absolument de rien. Here's the forest, Luke. Hey, it's for you, Luke. La Tsingtao. On prend une chaîne, mon homme. C'est comme la première d'une longue série. Cheers. Et là, on est perdu. On s'est perdu. On est perdu. Hey, mon Tony. Encore pas de sujet. De chanson. Mais une belle petite riff. Je suis d'accord. Prometteuse. Still writing a song, still getting drunk. Mais t'es en train de trouver quelque chose là. Yes. On commence à être wasted là. Je suis sûr que le framing est de moins en moins bon. Hein. Allô Antoine. Alors pas tellement loin de Times Square. Sunshining, the weather. Vous êtes là. On filait pour pratiquer la toune, on s'est mis un petit background, question de relaxer un peu. Matin numéro 2. C'est nice, c'est le genre de place où les New Yorkers viennent chiller. Du gazon, des tables, des arbres, du café. Du café, merveilleux! Moi, ce matin-là, j'ai terminé le texte de la chanson, puis finalement, tout ce qui nous manquait, vraiment, c'est un espèce de refrain que Antoine a trouvé spontanément au parc, et ça mettait un point final à la chanson. Il est midi déjà, puis on va avoir notre toune de fini. Tony est en train d'écrire tout ça au propre, parce que moi, j'ai vraiment une main d'écriture de marde. Pour nous, le restant de la journée était de l'histoire. On avait atteint notre objectif, la chanson était écrite. On a profité de la journée. On a visité New York, ces belles choses. On est allé chanter sur la tombe de John Lennon aussi. Et voilà, on avait hâte que le monde entier entende notre chanson. Et New York était à nous. Il est temps que ça finisse.